pour nous, sur la croix, pour notre rachat. Alors, c'est bon Dieu. Quand on met la foi en lui, tout le reste est possible. Parce que voilà les départs. On a la première marche. On fait les premiers pas en avançant vers Dieu. On avance vers Dieu, sachant que le Dieu, c'est Dieu, est bon. Sachant que c'est Dieu, est merveilleux. C'est Dieu, il a l'amour envers moi. Parce que Dieu est amour. La Bible nous dit, dans le livre de Jean 3, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croit en lui ne puisse pas périr, mais puisse vivre et avoir la vie éternelle. Voilà ce que le Seigneur a fait. On est appelé à croire en Dieu. On est appelé à croire en Dieu. Et quand on croit en Dieu, on a la vie éternelle. On a la vie éternelle. Et la vie que Dieu nous donne, ce n'est pas une vie où on attend que, ok, là aujourd'hui je peux mourir et je vais commencer ma vie dans l'éternité. Non, le Seigneur ne nous parle pas de l'éternité. Du gloire à Dieu. Là-bas, à l'éternité, tout sera bien. Mais ici, tout doit être bien aussi. Ici, on commence l'éternité. Avec la foi, on commence l'éternité ici. Parce que David, après avoir tapé Goliath par la foi, il a commencé son éternité. Il a commencé sa vie dans la royauté en Israël. Il était le roi d'Israël. Ça, c'était une position qu'il a eu par la foi. Parce qu'il a cru que l'huile qu'on a mis sur sa tête, c'était une huile capable de faire tomber Goliath. C'était une huile capable de taper les lions. C'était une huile capable de taper l'ours. Alors, l'enfant David, par la foi, il s'est mêlé contre les géants. Il a fait tomber les géants. Alors, sa famille ne payait plus de taxes en Israël. Sa famille était exemptée des taxes. Même quand Saoul s'est levé contre lui, le petit marché dit que je suis le roi et je suis le roi d'Israël. Pendant qu'il courait, il chantait des chansons en disant que le Seigneur a dit à mon Seigneur. Il chantait des chansons, il disait que longue vie au roi. Il s'appelait roi d'Israël. Dans la même foi qu'il est sorti contre Goliath, c'est la même foi qu'il marchait et disait que je suis le roi d'Israël. C'est vrai.